Niska34 et aujourd'hui mes petits noms, on se retrouve pour l'épisode 2 de Cooking Niska, yeah bitch. Donc on se retrouve pour l'épisode 2, donc je le tourne à la suite du 1, donc je n'ai pas encore eu vos réactions. J'espère qu'elles ont été bonnes, pleines de douceur et de gentillesse, je l'espère. Donc voilà, je tourne à la suite pour prendre un petit peu d'avance parce que je vais bientôt partir chez moi, revoir ma famille. Donc j'ai pas envie de tourner à ce moment-là, sauf avec ma petite sœur parce qu'elle fait des vidéos, mais ce sera pas des vidéos perso. Donc du coup, je m'avance un petit peu, un poquito. J'ai perdu ma maison, qui doit être là, je pense. Donc voilà, un nouvel épisode. J'espère qu'il sera un petit peu moins fail que le premier. Bon, c'était pas non plus foufou en fail, hein, mais... Ah! Merde, c'était mon premier trou. Ah putain, j'ai plus d'eau. Tiens, bois de l'eau empoisonnée. C'est bon, tu t'es calmé là ou pas? Tu te... Eh, eh, eh. Maman! Voilà. Heureusement, j'ai pas été empoisonnée avec l'eau. Bon, mais je vais remplir la fiole du coup. Aïe! Putain, il y a un lion. Ah putain, j'ai perdu ma maison. C'est une blague. Non, 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 non. Je dois être là-bas. C'est pas possible. Ça m'arrive déjà, quoi. J'ai essayé de télécharger Res Minimap, mais en fait, bah, il marche pas. Tout simplement. Comment vous dire ça? Non, je suis plus haut, je crois. Ah, putain, c'est chiant, ces espèces de montagnes, là. Tu sautes. Tu perds toute ton... ta bouffe, là. Putain... Maman! Hop, allez. Ah bah youpi, il y en avait un deuxième. Hop, on va prendre de la cobble. Ah mais non, je veux pas prendre mon petit plancher. Je veux prendre de ça là, de la merde. Oui bon, je vais arrêter de faire cette vieille technique qui ne marche plus. Hein, voilà. Bon, alors, voyons voir où était ma petite maison. Hé hey! Mais c'est cool, ça! Est-ce que j'ai des torches? Oui! Ah, merde. Oh, putain, j'ai vraiment cru que ce serait une grotte. Oh, me voilà un peu dégoûtée, quand même. Moi, je laisse la petite torche, hein, parce que je suis encore riche de torches. Il y en a qui sont riches du cœur, moi, c'est de torches. Voilà. Voilà, bon, ma maison. Maison. Comment on peut paumer sa baraque, quoi? Mais ça, c'est un truc de ouf, mais ça m'arrive tout le temps en plus, hein. J'y arrive pas, hein. Je perds mes maisons, quoi, genre, disparaissent. Ciao, bambino. Ah, je l'ai trouvé. Maison, 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 maison. Voilà. Hein, vieille biche? Je vais mettre des petites torches, voilà, devant. Comme ça, je me ferai pas avoir. Ici, c'est la maison. Enfin, si je tourne du bon côté. Ouais, j'étais plus là-bas, en fait. C'est pour ça. Oh là là, j'ai déjà plus d'eau. Oh, ça va chier. Hop. Hop. Allez, chauffe, là, parce que je vais mourir. On va manger un peu de pain. Oh. Ah, la bouffe va se révéler très problématique, là. Va falloir que je... Je commence à faire du blé direct, là. Allez, hop. On l'enfourne. Voilà. Hop. 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 Je vais restaurer toute ma soif. Putain, ça part super vite, c'est ça qui est, on va dire, un peu dommage, quoi. Parce que bon, en 2-2, bon, après, tu te... Dès que l'eau est purifiée, ça, en 3 fioles, tu t'es refait ta life, quoi. Mais bon, ça part vite. Je me suis dit, ouais, ce sera un peu bien, ça rajoutera un peu de difficulté. Ouais, bah, mon cul, hein. Tu arrêtes avec la difficulté. Hop, voilà. 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 Allez, petite.
Voilà, on va re-remplir les autres fioles. Comme ça, on va les purifier viteuf. Et on va commencer, je pense, à se faire un petit peu un champ de blé, je pense. Des petits champs de blé. Donc, on va. Oh là là, y, putain, je prends cher. Je vais manger ma pomme. Voilà. Je pourrais refaire mes cartes. Donc, on va les faire là pour l'instant parce que j'ai. C'est un petit peu chaud. Hop, voilà. Voilà. Donc j'ai re-rempli mon eau. Je vais mettre planter tous. Faut que je me fasse une faux, putain. Ma maison, ça y est, j'ai retrouvé ma maison. C'est la merde, même niveau escalier, quoi, c'est chiant. Hop. Hop. Petite pioche. Hop, voilà. Ma torche. Hop, voilà. On va se prendre une petite faux. Alors, la faux. Le craft de la faux. Putain, j'ai pas de. Ah, oh, j'ai cru que j'avais pas de stick. J'avais fait. Ah, je l'avais, je l'avais. Voilà, une petite faux. Allez. Ça au moins ce sera fait. Voilà, on va commencer à se faire un peu, bah déjà de la bouffe parce que histoire qu'on se fasse pas emmerder tous les un quart d'heure. Puis après il va falloir qu'on aille chercher un petit peu de pommes, de ce genre de petites bricoles. J'aurais dû prendre mes petites cannes à sucre. Hop, hop, hop. Voilà, il me reste encore deux petites graines. Donc en espérant que ça va pousser assez rapidement. Parce que j'ai déjà plus de pain. Ça part un petit peu vite. Voilà, on va encore se prendre du sable. Toujours servir. Hop. Puis bon, comme ça, on va se crafter le plus de fioles possible. Hop. Dès qu'on peut, on va se faire une petite pelle. Bon, après, tout ce qui sera minage, vous voyez une partie avec moi, mais après, je vous promets que ce sera terminé pour vous. Je ferai ça en hors caméra, sauf s'il y en a qui sont emballés par le minage en ma compagnie. Hein? Sachant que bon, j'essaie de blablater le plus possible pour rendre ça un petit peu plus attractif. Merde. Voilà, bah, là je pense qu'on va se douter que c'est un peu chez moi quoi. C'est pas comme si j'avais un petit peu terraformé le truc, mais. Un poquito! Hop. Au moins comme ça je reconnais ma baraque moi direct tu vois. Je galère pas à 30 ans. Si un petit peu mais. Je suis jamais sur le bon flanc de la montagne. Bon ça c'est fait. Hop. Donc voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Allez hop, au taquet. On va mettre ça là, on va mettre ça là. Toc. Toc. Bon, par contre, c'est bien, c'est que ça chauffe assez vite niveau pour les fioles. Ça, c'est assez cool. Mine de rien. Hop, on gagne du temps. Voilà, déjà, on voit plus rien. C'est la merde. La 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 la. La 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 la. Hop. Je vais continuer. J'ai tombé sur une mine. Ce serait cool là.
Bon, moi je suis tombée sur du charbon, voilà. La meuf qui se rassure comme elle peut dire, bon, c'est pas grave, je suis au moins tombée sur un truc. Au pire, il y avait la petite mine où on était. J'ai cru que c'était une mine, mais c'en est pas une. Eh, on va aller dans cette grotte, allez, hop. Hop, et on creusera à partir de là. Bon, ça va, j'ai toute mon eau, j'ai toute ma bouffe, j'ai tous mes cœurs. On est plutôt bien là. Oh putain, va y avoir les mobs. Oh putain, je me suis pas fait d'épée. Oh, je fuis pour ma life. Hop. C'est peut-être un peu dangereux de sortir maintenant. Hein. Finalement, après moult réflexions. Hein? C'est un peu dangereux. Hop, petite épée. Voilà. Je vais me refaire des. Et s'il te plaît, hein? Eh, tu te calmes. Voilà, 26, je pense que ça va aller. Bon, je vais faire la faux folle. Ouais, enfin, s'il y a du monde, je. C'est bon, j'ai de la dirt. Pour reboucher mon. S'il y a trop de monde. Putain, je vois que dalle. Ah, ça va mieux. Putain, il n'y a rien là. Mais tant mieux. La meuf, limite, elle se place. Oh, mais il n'y a personne. C'est quoi ce vieux trou là? D'accord, tu sais pas pourquoi. Oh putain! Oh, il y a un creeper. Oh putain, je crois que c'était un squelette avec deux épées. Non, non, c'était juste un petit éléphant qui demandait rien à sa vie. Faut que je me construise un putain de lit. Bon, mon spawn est juste à côté, hein. Je le conçois, mais. Mais bon. Allez, petit mouton. On crève, s'il vous plaît. Allez, on crève, on crève. On y va, plus vite que ça, plus vite. Putain, mais y a aucun mob, c'est normal ça? Attends. Non, facile. Bah, écoute. On va pas se plaindre. Oh putain, il y a des cochons. Oh putain! On va tuer la bestiole. Hein. Voilà. Parce que comme ça, niveau bouffe, on sera posaï. Là, 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 là. Bon, les cochons. Elle est cochonne, non? Moi j'aime bien le saucisson. Putain, on voit que dalle. Attends. Ah bah oui, je suis dans l'eau. D'accord. Putain de bordel de Dieu. Attends, je te mets ça là. Histoire que mes abos voient quelque chose. Bon, tu t'amènes là, s'il te plaît. Je suis un petit peu pressée. Je suis sûre que je suis en train de la taper, genre. En mode tranquillou, et puis il va y en avoir plein d'un coup, je vais pas comprendre. Bon, tu crèves là, s'il te plaît. Merci. Oh, putain. Qui sont casse-couilles, hein? Oh putain, il y a un creeper. Oh non, je me fais toujours tuer par ces bestioles-là. En fait, je pense que j'ai trop le temps et tout, alors du coup, je les attaque, et puis en fait, ils explosent. Au dernier coup, en fait, ils explosent, ces bâtards. Casse-toi, vieille biche. Putain. Salopard de merde! Casse-toi, j'ai dit! Ah, t'es tombée, vieille pute! What? Maman! Je vais crever! Du-du-du. On va repartir, hein, mine de rien. Oh putain, mais pourquoi je fonce vers eux? Il y a un petit arbre. Bon, qui lui est gentil, il ne fera pas de mal. Sauf si on l'attaque avec une hache, mais bon. Oh bah oui. Oh putain, j'ai perdu plein de bouffe et tout. Voilà. Je vois rien. Qu'est-ce qui se passe là? Ah voilà. Putain, mais je suis bloquée là. Maman. Mais je suis bloquée dans 30 cm d'eau. Allez hop, bois un peu. Voilà, restitue tes petits cœurs. Merci. Est-ce que j'ai 3 laines là? Ouais, c'est bon. J'ai un peu de bouffaille. Histoire qu'on soit pas venu pour rien. Oh! Bon, ça, je me prends toujours des. Aïe! J'ai la voix qui est cassée! À l'aide! Bon, s'il te plaît, hein, tu me laisses t'attaquer? Putain, salopard de merde, il m'a tué tous mes. Putain, j'ai plus rien à bouffer. Bon bah tant pis, on va me prendre des côtelettes.
Je gaspille des côtelettes pour toi. Des truitas? La vache, elle est facho. C'est quoi ça? Non, mais avast, s'il te plaît. Je suis désolée. I am sorry. C'était pas prévu au programme. Putain, j'ai une flèche dans la tête. J'ai. Oh putain, j'ai plusieurs flèches. Ça fait mal. Bon. On va creuser là. Hop, hop, hop. Bon, après, ça ira mieux. Une fois que j'aurai fini de miner, que j'aurai plein de trucs. Que j'aurai mon lit aussi. Haha. Hop. Bof. J'ai pas envie de. En fait, j'ai pas envie de miner avec vous aujourd'hui. Tant pis, on va. Putain, mais j'ai déjà plus de bouffe, quoi. Tu te calmes, s'il te plaît. J'ai une famille à nourrir. Est-ce que j'ai du charbon? Putain, j'ai du charbon. Je pouvais me faire un putain de four. Et là, tu vois, t'as un peu la haine sur toute ta vie, toute ta famille. Tu te dis que ta vie est nulle. Hop. Et s'il te plaît, tu restes gentil. Hop. Hop, 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 hop. Allez, un four. Ouais, j'ai un peu le nez dedans. Attends. Poulet cru. Viande de mouton. Ah, ça y est, on a de la viande de mouton. Je savais pas ce que j'étais. Je fais putain, c'est quoi ce gigot là? Putain, j'en ai. What? J'en ai 7, la vache. Ah, les moutons, ils donnent vachement, hein. Putain, c'est rentable le mouton. Bon. Je crois que j'ai vu un creeper par là. Putain, la même araignée au même endroit, quoi. Putain, le. Hop. Hop, voilà. Là, il y a du charbon, faut pas que j'oublie. Ce serait bien si je trouvais une putain de grotte. Oh putain, il y a du monde là. Il y a personne qui va spotter, tu sais. En même temps, de quoi je me plains. La meuf, elle est jamais contente de. J'ai plus mon épée. Oh, j'ai eu peur. Eh, tu vas te calmer, toi. Et je me fais toujours. Comment je peux me faire avoir par un vieux squelette de merde, quoi? Ça me trouve le cul. Ok. Je l'ai pas mangé. Oh la honte! Honte sur toute ma famille. Oh putain, mais j'ai. Oh, mais quel. C'est dans ces moments-là où j'ai envie de me tuer. Putain de squelette de merde! Vieille biche! La mort, mais la plus honteuse de toute ma vie, quoi. De toute la vie de tous les Minecraftiens, de toutes les personnes qui jouent à Minecraft, de. On est où là? Maman, je suis perdue. Je crois que. Je sais plus où je suis, j'ai perdu tout mon stuff. Ma vie est trop triste. Ma vie est trop. Non, c'est bon. Et il y a de l'eau là, putain, il y a de l'eau partout. Voilà, c'est bon, je vois même. La petite maison. Putain, mais quel enculé! Albata! Salopard, va! Voilà, je vais récupérer des graines comme ça, à cause de ça. Putain, j'en ai même pas. Ah, oh, merci. Allez, pousse, petit blé. Putain de. Ah, ça m'énerve! Ça m'énerve, ce genre de truc! Putain, je faisais plus gaffe, quoi, mais. Et puis, j'ai toujours ce bug. Si quelqu'un connaît, sait pourquoi ça fait ça, qu'il me le dise. M'en fous de toi, vieille araignée. Oh, le soleil. Ah, oh, je peux le regarder droit dans les yeux. Je n'ai pas mal. Bon, je suis morte par là. Oui. Bonjour. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop là. Oh putain, mammouth. C'est pas le moment de plaisanter. Oh là là, ça me dégoûte tellement si vous saviez. Ah! Ça, par contre, il y a de l'eau partout, hein. Ça, c'est cool. J'espère par contre que c'est une grande map parce que c'est une vieille île, je l'ai dans le cul. Hein.
Ah bah voilà, déjà la fin de ce second épisode. Putain, mais je suis vraiment trop deg de m'être fait tuer. Mais voilà, pour le coup, véritable noob. Hein. Mais alors là, mais je fais honneur à ma réputation. À ça, personne ne pourra dire le contraire. Mais oh là là, c'est tellement con. Voilà, et bah c'était Bibi, hein, c'était Nisia 34. Une vraie noob, véritable noob. Noob, oui, tout à fait. Donc voilà, je l'ai tellement honte, j'arrive pas à m'en remettre. Bref, voilà, c'était le second épisode de Cooking Niska. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée. Ah là là, j'ai trop honte. Je crois que je vais me cacher sous terre. Attendez, je vais le faire. Hop, hop. Voilà. Je vais me cacher sous terre. Parce que c'est la vie, c'est trop triste. Oh. Donc la vie, voilà. J'ai sous terre, j'ai trop honte. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un petit j'aime, un petit commentaire. Voilà. Et j'espère que le prochain épisode sera un petit peu mieux. Je vous fais tous de gros bisous. What? Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao.